Aujourd'hui, on n'est même pas après le sport, on est à peu près nulle part, c'est-à-dire dans l'urgence. On a quand même réussi à lire. Allez, une petite nouveauté, comme ça, pour le plaisir, qui a fait la bascule entre 23 et 24. C'est une amie qui me l'a conseillé. Ce livre, c'est Cadavre exquis. On est en science-fiction. Attention, c'est trash. Trigger warning, cannibalisme. Trigger warning, je peux même pas dire maltraitance animale, c'est pire. On va en parler, on va spoiler. On est en poche et j'ai lu, donc ça m'a été conseillé par une amie fan de SF. Je la salue bien. Je donne pas son prénom parce que je sais pas ce qu'elle en pense. On lui demandera ou pas. Alors, je vais déjà le dire un peu, genre petite annonce. Moi, je cherche en ce moment ce que j'appelle faute de mieux, mais vraiment faute de mieux parce que je ne sais pas si ça a un nom, ce que j'appelle la science-fiction domestique, c'est-à-dire un peu à imaginer des perspectives dans l'avenir. Et notamment, bah voilà, une des questions que je me pose, c'est ça ressemble à quoi un monde sans animaux? Un monde où les animaux, enfin, duquel les animaux auront disparu? Et bon, ça répond un peu à cette question, et la réponse, c'est que c'est pas fun. On est en dystopie cannibale. C'est un bouquin qui est aussi, bon, on va dire globalement, une réflexion sur des choses. Bah, on le voit quand même à la couverture. C'est pas fun fun. J'aurais dû prendre mes couverts comme ça, mais j'ai pas de cloche là pour mettre par-dessus. Alors ça s'appelle le Cadavre exquis. Je sais pas si ça correspond à peu près à ça dans le titre argentin. Donc on est en science-fiction argentine. Ou en horreur. On se rappelle que j'ai beaucoup aimé Mariana Enríquez. Alors après, c'est traduit de l'espagnol d'Argentine par Margot Nguyen Béraud. On est chez J'ai lu. Je crois que c'est un roman de 2019. Le titre a l'air d'être le même. Hein, je vois Cadáver Exquisito. Et la traductrice, pardon, remercie Ariel Dillon. Pour mon frère Gonzalo Basterrica. Basterrica, mais moi je fais allemand LV1. Hein, ça m'handicape aussi pour l'espagnol. Un roman d'une incontestable force, nous dit Télérama. Bah, je suis assez d'accord. Globalement, au niveau. À plein de niveaux, j'ai bien aimé. C'est pas le roman de ma vie, mais c'est un roman qui fonctionne bien. Et on va un peu discuter de points, à mon avis, un peu plus particuliers. Pas forcément fun-fun. Mais parce que c'est voilà, le principe un peu de la SF. Donc c'est évidemment une lecture qui est clivante. C'était une lecture, comme l'a dit la libraire où je me le suis procuré, c'est-à-dire la librairie de l'imaginaire, Le Nuage Vert qui est rue Monge, dans le 5e. C'est une bonne librairie, la libraire, pour ce que. Voilà, je suis passée deux fois, m'a l'air d'être super sympa. Et en tout cas, de très bons conseils, et avec des rencontres qui ont l'air d'être très bien, mais j'ai pas encore pu y assister, ça a l'air d'être assez couru. En tout cas, voilà, c'est pointu, et qui m'a dit. Je ne sais pas si c'est bien pour les fêtes. Moi, je me suis dit parfait pour les fêtes, évidemment, parce que voilà, c'est quand même ça se passe dans un ensemble. Alors voilà, clairement, si vous avez du mal avec le sang, etc., c'est pas dingue. Ce qu'on voit ne loge jamais dans ce qu'on dit. Gilles Deleuze citant Michel Foucault. Foucault 86 édition de Minuit. Et on a encore une autre traduction. Alors non, on a encore une autre citation dont je ne vais pas citer. La version espagnole, mais directement la note, hein, la note 2. Parole de la chanson Yo Cannibal du groupe de rock argentin Patricio Rey, Isus Redontidos de Ricota. Littéralement, on achève mon cerveau à coups de dents en buvant le jus de mon cœur et pour m'endormir, on me raconte des histoires. Donc on sent là, comme ça, avec cette espèce de contiguïté entre Deleuze citant Foucault et le groupe de rock argentin. Une forme de disjonction, hein, comme ça. Alors, Cadavre exquis, je ne sais pas si le jeu littéraire existe aussi en traduction, etc. C'est un jeu surréaliste où les uns prennent la suite des autres au niveau littéraire, etc. Mais où, bien sûr, il y a quand même un peu toute cette idée de parler d'un cadavre exquis, c'est très suave, délicieux, agréable, agréable à manger. Mais avec, en fait, ce qu'on oublie un peu, c'est que quand on mange de la viande, donc moi je vais me resituer à ce niveau-là, je trouve que le végétarisme c'est très bien en théorie, mais je ne le pratique pas. Je suis en ce moment en train d'alléger fortement ma charge de viande. Concrètement, là j'en ai mangé hier et ce midi, mais pour le coup j'ai eu un repas en famille et un resto. Je n'avais pas mangé de viande depuis 10 jours, et là je suis vraiment en train de diminuer plus fortement. Je sens que le moment il vient.
Je sens aussi que, voilà, avec un passé de troubles alimentaires et des choses pas toujours stabilisées, ça serait compliqué de vraiment franchir un cap de façon trop brutale pour le moment. Mais voilà, ouais, en fait, et en vrai, je ne veux pas me priver de viande, je veux changer d'habitude et que dans ces nouvelles habitudes, il n'y ait pas de viande. Voilà. Et après, on verra pour diminuer les produits laitiers ou ce genre de choses, mais voilà, on commence un peu comme ça. Et quand je dis viande, pour moi, je ne fais pas de différence entre viande et ce qu'on appelle donc les poissons. Alors, on est donc dans ce roman qui, bon, bah, qui se donne quand même pour être un peu plus que ce qu'il est. Enfin, bon, quand on a une telle citation de Deleuze, hein, qui va montrer une espèce de disjonction, on voit une première disjonction, on va dire, dans les tons, mais aussi donc entre le groupe de rock et Deleuze. Mais bon, on a aussi une disjonction qui est annoncée, qui nous annonce un peu bah, qu'il va y avoir un sens. Pas forcément plus haut, moral, etc., comme quand on parle, je sais pas, d'allégorie, de parabole, de fable, mais en tout cas un sens qui va être décalé par rapport à ce qui est vu, et on dira que c'est ça aussi, savoir par la littérature, par les arts, etc., c'est être capable de transmettre, de partager ces savoirs. C'est peut-être plus intéressant de dire partager, parce que transmettre, finalement, on a encore un rapport ascendant, qui est plus forcément là avec la transmission. Hop, on arrive à une partie, un chapitre 1, et son expression était si humaine qu'elle m'horrifia. Nouvelle citation mise en exergue de Léopoldo Lugones, je n'ai pas regardé qui c'était. Mais en tout cas, on voit qu'on a ici quelque chose qui va aller sur les frontières, sur les disjonctions, aussi sur, bon bah c'est affiché hein, le cannibalisme, hein, et sur bah, la séparation. Humain animal, qu'est-ce qui va fonder réellement l'humanité, entre autres. J'attaque. Alors donc on était dans une partie, là on aurait donc un premier chapitre. Hein. Demi-carcasse, étourdisseur, ligne d'abattage, tunnel de désinfection. Ces mots surgissent et cognent dans ma tête, dans sa tête, le détruisent. Mais ce ne sont pas seulement des mots, c'est le sang, l'odeur tenace, l'automatisation, le fait de ne plus penser. Ils s'introduisent durant la nuit quand il ne s'y attend pas. Il se réveille le corps couvert de sueur car il sait que demain encore, il devra abattre des humains. Personne ne les appelle comme ça, pense-t-il, en s'allumant une cigarette. Lui non plus. Il ne les appelle pas comme ça quand il explique le cycle de la viande à un nouvel employé. On pourrait l'arrêter à ce seul motif et même l'envoyer aux abattoirs municipaux pour se faire transformé. Assassiné serait le mot exact. Mais ce mot-là n'est pas autorisé. En ôtant son maillot trempé, il cherche à chasser cette idée persistante selon laquelle c'est pourtant bien ce qu'ils sont, des humains, élevés pour être des animaux comestibles. Il va au frigo et se sert de l'eau glacée. Il la boit lentement. Son cerveau le prévient que certains mots dissimule le monde. Il y a des mots convenables, hygiéniques, légaux. Il ouvre la fenêtre, la chaleur l'étouffe. Il fume en respirant l'air calme de la nuit. Avec les vaches et les porcs, c'était facile. Il a appris le métier au Cyprès, la société d'abattage de son père, son héritage. D'accord, le cri d'un porc qu'on met à terre, ce pouvait être épouvantable, mais en utilisant des protections auditives, cela devenait vite un bruit parmi d'autres. Maintenant qu'il est le bras droit du chef, il doit surveiller et former les nouveaux. Enseigner à tuer, c'est pire que de le faire soi-même. Il passe sa tête par la fenêtre, respire l'air compact, brûlant. Il voudrait s'anesthésier, ne plus rien ressentir, agir automatiquement, regarder, respirer, voilà tout. Voir, savoir et ne rien dire. Mais les souvenirs sont là, ils restent. La majorité des gens a intégré ce que les médias s'obstinent à appeler la transition. Mais pas lui, parce qu'il sait que transition est un mot qui ne dit pas que le processus a été bref et sans pitié. C'est un mot qui résume et archive un événement incommensurable, un mot vide. Changement, transformation, tournant. Autant de synonymes qui ont l'air de signifier la même chose, et pourtant le choix d'employer l'un ou l'autre dit une manière singulière de voir le monde. Les gens ont intégré le cannibalisme, pense-t-il.
Cannibalisme. Encore un mot qui pourrait lui attirer de sérieux problèmes. Il se souvient du jour où la grande guerre bactériologique a été annoncée. L'hystérie collective, les suicides, la peur. Après la GGB, il n'a plus été possible de manger d'animaux, car ils avaient contracté un virus mortel pour les humains. C'était le discours officiel. Des mots avec assez de poids pour nous façonner, pour supprimer toute remise en question, pense-t-il. Il marche dans sa maison pieds nus. Après la GGB, le monde a changé, irréversiblement. On a testé des vaccins, des antidotes, mais le virus a résisté puis muté. Il se souvient d'articles sur la vengeance des véganes et sur des actes de violence contre les animaux et de médecins qui expliquaient à la télévision comment compenser les carences en protéines et de journalistes qui confirmaient qu'il n'y avait toujours pas de traitement contre le virus animal. Il soupire, s'allume une autre cigarette. Il est seul. Sa femme est allée vivre chez sa mère. Elle ne lui manque plus, mais il y a un vide dans la maison qui l'empêche de dormir, qui l'inquiète. Il prend un livre dans sa bibliothèque. Il n'a plus sommeil. Il allume la lumière et s'apprête à lire, puis il l'éteint. Il touche la cicatrice sur sa main. Elle est vieille, elle ne lui fait plus mal. Un cochon. Il était encore très jeune, un débutant, et il ne croyait pas nécessaire de respecter la viande. Jusqu'à ce que la viande le morde et lui arrache presque la main. Le contremaître et les ouvriers ne pouvaient plus s'arrêter de rire. « Tu t'es fait baptiser !» lui avait-on répété. Son père n'avait rien dit. Depuis cette morsure, on a cessé de le voir comme le fils du patron, et il s'est mis à vraiment faire partie de l'équipe. « Mais cette équipe et le cyprès n'existent plus, pense-t-il. » Il prend son téléphone. Il a 3 appels en absence de sa belle-mère, aucun de sa femme. Comme il ne supporte pas la chaleur, il va se doucher. Il veut effacer, il ouvre le robinet et met sa tête sous l'eau froide. Il veut effacer de lointaines images, des souvenirs qui persistent. L'état de chat et de chien brûlé vif, une griffure signifiait la mort. L'odeur de chair brûlée était restée pendant des semaines. Il se souvient de brigades en combinaison jaune qui, la nuit, sillonnaient la ville pour éliminer et brûler tout animal qui croiserait leur route. L'eau froide coule dans son dos. Il s'assied par terre dans la douche. Doucement, il fait non avec la tête, mais il ne peut s'empêcher de se souvenir. À l'époque, certains avaient déjà commencé à tuer des gens pour les manger clandestinement. La presse avait mentionné le cas de 2 Boliviens sans emploi, attaqués, démembrés, puis rôtis par leurs voisins. La nouvelle lui avait donné des frissons. Ce fut là le premier scandale public, celui qui introduisit dans la société l'idée que, après tout, la viande reste de la viande, qu'importe d'où elle vient. Il incline la tête pour faire couler l'eau sur son visage. Il voudrait que les gouttes lui lavent le cerveau. Mais il sait que les souvenirs restent là, toujours. Dans plusieurs pays, les immigrés s'étaient mis à disparaître en masse. Des immigrés, des marginaux, des pauvres. Ils étaient chassés et quelquefois sacrifiés. La légalisation fut prononcée lorsque les gouvernements se mirent à subir des pressions des puissances industrielles du secteur qui étaient à l'arrêt. Les abattoirs et les normes s'adaptèrent. Très vite, on éleva du bétail pour répondre à la demande massive de viande. Il sort de la douche et se sèche à peine. Il se regarde dans le miroir, il la décerne. Lui, il souscrit à une théorie dont certains voulurent parler publiquement, mais qui furent pour cela réduits au silence. Un grand zoologiste qui écrivait dans ses articles que le virus n'était qu'une invention eut un regrettable accident. Lui aussi, il pense que cette maladie n'est qu'une mise en scène pour endiguer la surpopulation. Depuis qu'il est en âge de se le rappeler, on parle de pénurie des ressources naturelles. Il se souvient d'émeutes en Chine, où les gens s'entretuent à force d'être entassés. Mais aujourd'hui, plus aucun média n'aborde cela sous cet angle. S'il y en avait bien un qui l'avait prévenu que le monde allait exploser, c'était son père. « La planète peut claquer à tout moment. Tu verras, fiston, soit elle éclatera, soit on mourra tous de je ne sais quelle épidémie. Regarde en Chine. S'ils s'entretuent, c'est parce qu'ils sont trop nombreux, ça ne tient plus. Et ici ? Ici, il y a encore de la place, mais on va bientôt se retrouver sans eau, sans nourriture, sans air. Tout fout le camp.
Il regardait alors son père avec une certaine pitié, parce qu'il pensait que c'était des propos de vieux. Mais aujourd'hui, il sait qu'il avait raison. La purge apporta néanmoins quelques points positifs. Réduction de la population et de la pauvreté, viande à nouveau disponible. Les prix étaient élevés, mais le marché grandissait à un rythme accéléré. Il y eut d'importantes manifestations, des grèves de la faim, des plaintes déposées par des organisations de défense des droits de l'homme, mais au même moment apparurent aussi des articles, des études et des informations qui influencèrent l'opinion publique. De prestigieuses universités affirmèrent que les protéines animales étaient nécessaires pour vivre. Des médecins confirmèrent que les protéines végétales ne comportaient pas tous les acides aminés essentiels. Des experts assurèrent que les émissions de gaz à effet de serre avaient certes diminué, mais que la malnutrition avait augmenté. Et des revues allèrent même jusqu'à parler du côté obscur des végétaux. Les foyers de protestation s'affaiblirent peu à peu et la presse relaya de nouveaux cas de décès dus au virus animal. La chaleur continue de l'étouffer. Il sort nu sur la coursive. L'air ne circule pas. Il s'allonge dans le hamac et essaie de dormir. Il se repasse en boucle la même publicité. Une belle femme, tirée à quatre épingles, sert le dîner à son mari et ses trois enfants. Elle regarde la caméra en disant « Je donne à ma famille de la nourriture spéciale, la viande de toujours, mais en encore meilleure. » La famille sourit et mange. Le gouvernement, son gouvernement, a décidé de donner un nouveau nom au produit. La viande humaine s'appelle désormais « viande spéciale ». Elle a cessé d'être seulement de la viande pour devenir « bavette spéciale »,« côtelette spéciale »,« rognon spéciale ». Lui ne dit pas « viande spéciale ». Pour faire référence à ces humains qui ne seront jamais des personnes mais toujours des produits, il utilise les termes techniques. Il parle de quantité de tête à transformer, de l'eau en attente dans la bouverie, de lignes d'abattage censées respecter un rythme constant et rigoureux, d'excréments à revendre pour fabriquer de l'engrais, d'ateliers de découpe. Personne ne doit plus les appeler humains, car cela reviendrait à leur donner une entité. On les nomme donc produits, ou viande, ou aliments, sauf lui, qui voudrait n'avoir à les appeler par aucun nom. On est donc dans le premier chapitre d'un peu tout. Donc, on voit à quel point c'est dense. Alors déjà, niveau structure, bon, eh bien, on a compris là, à peu près, ce qui se passe. Et c'est pas fun. Donc, en fait, on a un genre de scène d'exposition et de medias res, mais qui permet, par les pensées du personnage, sa situation personnelle, évidemment, il est bien choisi, de donner, en fait, tout cet exposé sur ce monde futur, dystopique, en gros. Alors, je pense pas trop m'avancer en disant cela. Avec, comme ça, donc, en fait, une mise en situation globale, ben, quand même très rapide, enfin, très... Ah. Et surtout qui, finalement, ne ménage pas énormément de surprises, parce que la surprise qui aurait pu être celle de la découverte du monde, on voit que son enjeu va être déplacé, puisque ben, il va s'agir, évidemment, de mieux connaître ce monde, mais, en fait, dès ce premier chapitre, est montré qu'il y a une disjonction, une tension entre la situation de ce monde, le métier de ce personnage dans ce monde qui a donc changé, et les pensées du personnage. Alors, il y a pas mal de choses qui apparaissent comme ça assez en vrac. Évidemment que la question de ce qui fait humanité ou animalité, elle est centrale, avec quelque chose de l'ordre d'un complot mondial. J'avais oublié qu'il était aussi exposé dès le début. Dans ma tête, je l'avais un peu oublié, mais pas ça, c'est parce que je suis pas très attentive en ce moment quand... J'allais dire quand je dors, c'est-à-dire quand je lis. Mais disons, c'est là que j'ai tout dit. Parce que finalement, là, ce qui apparaît, c'est vraiment aussi la... Voilà. Là, ce qu'on a
à ce moment-là, c'est quand même quelque chose qui est voilà, très important, mais qui montre bon, finalement comment cette frontière homme-animal, enfin humain-animal, bon, bien, elle est déplacée, on comprend pourquoi, parce qu'il y a des besoins par rapport à une surpopulation. Elle s'accompagne d'une théorie du complot hein, qui suppose une. Ça s'appelle comment, une zoonomie, une épidémie animale. Le mot exact va pas me revenir là tout de suite. Je suis un peu fatiguée. Voilà. Et quelque chose moi, qui est d'emblée présenté comme un complot avec carrément des meurtres, etc. Donc on a voilà, une situation globale qui est extrêmement hostile. Et donc finalement, quelque chose comme une opposition très forte entre en dehors très hostile et le dedans du personnage enfin, qui est voilà, qui se retrouve en porte-à-faux avec ce monde et dans un porte-à-faux, bah, finalement, il serait resté un peu lui-même dans un monde qui n'existe plus et dont l'abattoir Cyprès et finalement la méthonymie. Donc Cyprès, on se rappelle que c'est quand même un arbre qui est un symbole funéraire hein, aussi. Je pense que c'est parce que le feuillage est vivace. Et donc, il permet de décorer. Enfin, il y a des. Ben, voilà, hein, les chrysanthèmes, c'est parce que ça fleurit pour mettre sur les tombes hein, que ça devient un symbole de tout ça. Donc, voilà, y a ça à peu près qui se met en place comme ça, de cette façon-là. Hein, et qui. Voilà. Dès la première scène, bon, mais nous amène à partager, même si c'est raconté à la troisième personne, finalement, l'intériorité de ce personnage, encore son nom. Et c'est intéressant vu les dernières phrases, hein, puisque lui aimerait nous donner encore un nom, et finalement à ce moment-là il n'en a aucun aussi. Hein. Mais ça peut amener une espèce de projection, évidemment dans un passé précis et particulier, mais de ce personnage, enfin, qui est quand même comme un moule, comme un support à l'imagination, pour, ben, j'imagine, susciter plutôt l'empathie des lecteurs et des lectrices. Donc, en fait, ça permet de raconter bon, un monde, mais surtout un monde dans ses transformations, avec évidemment des effets méta et on va dire aussi réflexifs sur ce qui fait un changement, une transformation, et sur, bah, en fait, voilà, que transformation, transition, c'est pas la même chose, notamment pour des questions de temporalité, d'accélération, de brutalité, etc. Et cette temporalité, elle parle aussi de la brutalité des processus. Tout cela, c'est ce qui va permettre de mettre en place ce climat qui bah, permet de comprendre très nettement que le personnage vit dans un monde hostile, dans lequel il est en porte-à-faux, dans lequel il est plutôt malheureux. Et là, c'est quand même assez topique, le mec solitaire. On imagine que sa femme l'a plaqué à ce moment-là. Il y a des messages de la belle-mère, pas de lui. Enfin, voilà. Pas d'elle, pardon. Enfin, c'est. Voilà, on a ce grand vide dans la maison. Là, tout est assez topique à ce niveau-là. Et avec, bon, quelque chose oh, qui n'est pas non plus si rare en littérature, hein, la littérature ça sert quand même pas mal à ça, mais qui est de l'ordre de, bon, ben alors, comment donc aller imaginer, comment se projeter dans un personnage, comment se projeter en un personnage plutôt, ben, qui est quand même antagoniste de pas mal de gens, et pas mal de gens qui vont éventuellement se donner une bonne conscience, c'est-à-dire que moi j'ai quand même un peu de mal à m'imaginer en directrice d'abattoir, et encore moins dans une directrice ou employée d'abattoir, ou ayant hérité d'un abattoir qui se met à abattre des gens humains. Donc ça amène quelque chose, en fait, le fait que le personnage soit en porte-à-faux, ben, en fait c'est un personnage qui devrait être un salaud, mais qui est présenté avec une empathie quand même. Enfin, avec d'une façon qui amène une certaine empathie, parce que justement, il est en porte-à-faux avec ce qu'il fait. Et donc, a priori, pas mal de lecteurs peuvent se retrouver là-dedans. En tout cas, probablement dans le public visé, notamment par la citation mise en exergue de Deleuze parlant de Foucault, quoi, enfin, ou citant Foucault. Donc, ça dessine quand même un public, c'est pas bienvenu le wokistan, mais quand même. Hein. Donc ça, c'est quand même une première façon de mettre les choses en place. Qui va avec donc ces éléments un peu réflexifs déjà mis en avant, donc sur
la temporalité, mais surtout sur le langage. Et en fait, ce moment sur la temporalité, c'est déjà une réflexion sur la langue et sur ce que peut dire la langue et ce qu'elle va occulter. Et on comprend de façon quand même très claire, hein, que eh bien, ce n'est pas la même chose de dire qu'on abat des humains que de dire qu'on abat des têtes, hop, langage technique, ou d'employer le terme de la viande spéciale. Et en fait, c'est assez intéressant de voir qu'ici ne s'opposent pas deux, mais trois langages. Celui finalement de ce qui serait hein, une fiction, de ce qui est une fiction, ou plutôt un mythe, hein, la réalité est un peu brute, hein, parce que dans la réalité brute, les choses n'ont pas de nom. Et c'est aussi en cela qu'elles ne sont pas saisissables dans une espèce d'essence. Mais qui est de l'ordre de ces êtres sont des humains. Et avec deux autres réalités, on va dire l'une gastronomique et l'autre celle de la technique de l'abattage. D'un côté les têtes, de l'autre la viande spéciale, côté spéciale, etc. Donc qui en fait reprend hein, l'espèce de frontière animal-humain qui avait l'air d'être extrêmement forte et qui finalement est franchie par les personnages de ce monde, d'abord de manière un peu clandestine, et puis de façon ensuite complètement étatique et légale. Et on comprend même que transgresser cette nouvelle norme de langue est très grave et amène un franchissement qui fait sortir de l'humanité et rentrer dans l'assiette, concrètement. La punition d'à peu près tout, hein, c'est l'abattoir municipal. Donc voilà, on est dans ce monde-là où on ne peut pas on ne peut pas dire finalement que l'empereur est nu, hein, pour reprendre le conte. Ce n'est pas possible, ce n'est pas une question, c'est une question de voir et de pas voir. Mais voilà. Et donc finalement, c'est un roman qui porte sur, eh bien, d'une certaine façon, la désanimalisation des animaux pour leur disparition et pour leur relégation complète. En dehors du champ même de l'animalité réduite hein, au produit, à la compagnie, à l'objet de consommation, et à la transformation de l'humanité en une animalité qui n'est pas hein, toute faite, mais qui est elle-même artificielle. Parce que tout ce qui est dit sur, par exemple, les côtelettes ou la bavette, ça marche déjà, pour éviter de dire cadavre quand on parle d'animaux. Donc finalement, ce qu'on a, c'est une extension et un déplacement du vocabulaire de la boucherie traditionnelle à de la boucherie cannibale. Qui donc, bah, puisque ça nous montre que ça se déplace, bah, ça nous montre que la frontière, elle n'est évidemment qu'arbitraire, sociale. Une frontière qui en plus arrive avec un ensemble de discours qui viennent la légitimer, discours de nature, de science, machin, etc. Et aussi ce qu'on peut voir comme une occultation, un gazage hein, de la réalité. Quand on dit un gazage, c'est pas qu'on sort les gaz façon lacrymo. Le gazage, c'est plutôt la gaze, le tissu de la gaze qui va recouvrir et masquer. Donc le gazage de la réalité, vous me direz, quand on est dans les gaz, on voit pas toujours. Ça dépend des gaz. Il y a des gaz invisibles, attention au monoxyde de carbone, invisible, inodore et potentiellement meurtrier. Mais là, le gazage en littérature, quand on parle de gazage, c'est vraiment voilà, un effet d'estompe, voire d'effacement. Et en fait, ça vient du roman libertin, avec cette idée de « Oh là là, on se cache un peu sous la gaze. » C'est un peu ça l'idée qu'il y a dessus. Dessous. Au-dessous les dessous, d'une certaine manière. Au-dessus les deux. Bon, là, moi, voilà. Et donc, c'est vraiment un roman sur ça, et qui finalement, eh bien, dit bien ce qu'a annoncé la citation, que la littérature, eh bien, elle dit plus en montrant plutôt qu'en racontant. Ça reste un roman dont, on va dire, les thèses hein, philo sont quand même assez explicites et claires, et c'est pas désagréable, en fait. Hein. Et ça fait une lecture qui est quand même assez, assez chouette, et voilà, assez simplement, disons, clairement voilà, agréable, mais qui passe aussi sur encore un... Encore autre chose dans ce roman qui est de... C'est-à-dire que dans la suite de l'intrigue, les choses vont encore se complexifier. Parce que là, à mon avis, on n'est pas seulement dans quelque chose qui serait de l'ordre d'une réflexion sur la limite humain-animal et sur qu'est-on amené à faire, alors en contexte, on va dire plutôt, quand tout le monde change autour de vous, en contexte d'oppression... En contexte de
Ouais, d'obligation. C'est pas exactement l'expérience de Milgram avec la blouse blanche, par exemple, hein, mais c'est encore d'autres choses. Comment vous, vous réagissez? Que faites-vous? Bon, mais ça, c'est pas des petites questions, hein. C'est pas facile de répondre à ces questions-là. Et à ce niveau-là, les réponses, elles sont quand même pas fun. Et puis, il y a bien sûr ce topos du héros, allez, je vais pas dire solitaire dans la brume, mais pas loin, mais qui... Voilà, qui quand même va chercher des choses. Alors, j'avais noté quelques lignes, quelques pages, pardon. Ah, parce que pour une fois, j'ai noté des pages, mais je sais plus ce qu'il y a dedans. Alors, 188, qu'est-ce qu'il y avait? Hop là! Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, bon, cet homme, il commence à être en crise dans son monde, et là arrive toute une tension narrative qui fait que, bah, on le voit dès le début du roman, hein, puisqu'il est en porte-à-faux, il y a une tension, et donc là, maintenant, il s'agit de voir, bah, c'est comme quand on va lâcher un ressort, jusqu'où ça va aller. Cette espèce de machine de, bah, il est pas bien, on sent qu'il est vraiment pas bien, qu'il y a une crise notamment personnelle, et donc il faut voir un peu la suite, quoi. Et à ce niveau-là, eh bien, en fait, il se trouve qu'il va, on va en savoir évidemment plus. Alors là, on entre dans les spoilers. Hein, donc, si vous voulez pas, maintenant vous arrêtez. Cet homme va se retrouver. Donc, il s'appelle Marcos. Hein, il va se retrouver pris dans, voilà. Enfin, ses aventures personnelles continuent, son père était déjà en place, on apprend que son père est très vieux. On voit aussi que les gens sont incinérés dans des cercueils transparents, pour que les proches voient bien qu'ils sont incinérés et qu'ils ne seront donc pas mangés. Voilà. Donc les rituels funéraires sont affectés, etc. Et ça, à ce niveau-là, le roman est très précis, hein, dans des détails quand même assez sordides. C'est pas, hein, je pense pas que ce soit pour tout le monde. Et voilà. Et puis ben, Marcos se voit offrir une tête féminine. Alors bien sûr, hein, les têtes, elles ont ben, des tatouages, machin, elles sont identifiées, etc. Elles coûtent très cher. Enfin voilà, il y a tout ce monde-là qui se met en place autour de ça. Et puis il se retrouve. Comme ça, avec cette femme, en fait, chez lui, par hasard, enfin, sans l'avoir prévu, ça l'arrange pas du tout. Et il a cette personne à la maison qui est là et qui devient une présence. Et puis, on sent un peu, donc là, moi, je suis donc page 188, le début d'une idylle. J'avais noté ça. Une maison où couvait une folie à l'affût imminente, mais depuis l'arrivée de Jasmin, ce qu'il appelle Jasmin parce qu'elles sont bons. La maison s'est emplie de son odeur sauvage et de ses rires éclatants et muets. Alors muette parce qu'en fait on coupe les cordes vocales des têtes, hein. Donc c'est des humains qui ne sont plus humains puisqu'en fait ils ne parlent pas et ils sont gardés, hein, ils sont parqués toute leur vie et ils n'accèdent jamais complètement à l'humanité. Jasmin ne parlera jamais. Et Jasmin devient, alors les rires éclatants et muets, moi m'avait amusé, j'avais noté pour ça parce que c'est quoi un rire éclatant et muet? Voilà, j'avais trouvé ça un peu amusant, mais on a vraiment. Il est content que ce soit comme ça, qu'elle le suive partout. Jasmin vient toujours s'asseoir auprès de lui dans la chambre du bébé, il est content que ce soit comme ça, qu'elle le suive partout, etc. Donc en fait, l'épouse, hein, de Marcos a disparu, elle, enfin, elle est chez sa mère, ça va très mal, on comprend qu'ils ont perdu leur bébé. Enfin, c'est expliqué. Et lui, il se retrouve donc voilà, comme ça, très, 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 très seul. Et en fait, là, on va rentrer au fur et à mesure de là, mais sur des choses plus sordides qui vont amener une nouvelle crise du personnage qui va finir par démissionner, et notamment parce que bah, il supporte pas certaines visites, hein, et relations professionnelles qui étaient déjà là, mais là, voilà, y a un genre de climax, là, c'est la goutte d'eau, machin, le vase, ça va plus du tout. C'est-à-dire le laboratoire qui fait des expérimentations humaines de façon ultra, ultra dégueu, ultra sordide et voilà, globalement sadique, avec des vivisections, etc., qu'on va vous montrer. Et ce qui ne supporte pas non plus,
C'est le... Voilà, ce qu'il apprend aussi, c'est les personnes qui en fait font d'un cannibalisme conscient un acte sexuel. C'est-à-dire en fait on apprend qu'il existe globalement des bordels où on peut avoir des relations sexuelles, hein, et ensuite bouffer la personne, globalement la femme que l'on a avec qui on a eu ces rapports. Et ça, c'est vraiment présenté d'une façon qui n'est pas du tout positive. Ça va avec des contextes de chasse humaine. Et donc, en fait, là, on est dans un monde qui est particulièrement sombre, sordide, et qui, en fait, eh bien, est un monde de classe, avec une distinction raciale qui apparaît, mais qui n'est pas du tout au premier plan dans le roman. Mais on comprend que les demandes, elles peuvent être, les demandes de viande, comme pour les expérimentations, etc., peuvent être racialisées. Et il y a aussi des chasses, hein, des chasses à l'homme, aux humains, qui peuvent être organisées. Et donc aussi ces espèces de mets très onéreux de viande qu'on a baisé. Oui, ça doit être fascinant de manger un être vivant, par exemple, quand on a encore d'autres choses. Et en fait, on se rend compte, notamment par la sœur de Marcos, eh bien, en fait, qu'il est de plus en plus chic de garder chez soi une tête vivante, mais une tête, ça va avec tout un corps, pour le manger petit à petit et voir ce qui se régénère et avoir de la viande toujours fraîche à domicile, et que c'est le plus chic actuel. Donc on a et ce moment-là où on voit des choses qui vont être de plus en plus sordides, choquantes et cyniques, qui n'ont pas l'air de choquer les gens, ou alors qui sont recherchées peut-être justement dans cette dimension choquante, quoi. Et donc, et à ce moment-là, Jasmin est tombée enceinte, ce qui en fait met Marcos en danger de mort, parce qu'en fait, c'est un tabou absolu d'avoir des relations sexuelles avec les humains que l'on mange, absolu qui peut mener aux abattoirs, et encore plus d'en faire des enfants, parce qu'en fait, on va reconstituer une frontière, enfin, une frontière et donc des transgressions, et c'est ça qui est recherché dans les bordels, entre humanité et humanité de second ordre, qui n'est plus appelée humanité, mais qui est la nouvelle animalité, en fait. Et là, voilà, on va avoir une volonté vraiment de transgression par des gens extrêmement riches. Et donc, dont c'est un loisir, finalement, on voit bien aussi comment au classisme se superpose le cannibalisme. Par exemple, lui n'a qu'une seule envie, rentrer à la maison auprès de Jasmin et lui toucher le ventre. Mais l'idée est à la fois répugnante et magnétique. Il se lève à son tour et le suit. Il se penche à une fenêtre qui donne sur le domaine de chasse. Dans la galerie en pierre, il voit une demi-douzaine de chasseurs se prendre en photo avec leurs trophées. Certains posent le pied sur le gibier couché par terre. Deux hommes leur soulèvent la tête en les tenant par les cheveux. L'un d'eux a une femelle chestante. On n'ira pas enceinte, hein, on dit chestante. À vue de nez, elle devait en être à 6 mois, pense-t-il. Au milieu du groupe, l'un des chasseurs maintient sa proie debout, appuyée sur lui, tandis qu'un assistant la soutient par derrière. C'est du gros gibier, le plus prisé. Ses vêtements sont sales, mais chers et de bonne qualité, cela se voit d'ici. C'est le musicien, le rocker endetté. Il ne se rappelle pas son nom, mais il sait qu'il a été très connu. Alors ça, c'est une petite pique, hein, pour ces gens un peu sur le retour. Et il y avait aussi un passage. Alors est-ce que c'était là? Donc là, voilà, il reste un peu. Il se retrouve un peu chez ces gens-là, éventuellement à fournir, hein, le gibier, quoi. Alors c'est pas, ça devrait pas être les mêmes gens et les mêmes réserves, hein. Bon, voilà. Il y a des espèces de licences. Ouais. Voilà. Et puis là, voilà, sur la bouffe, attention, ça va être vraiment violent. Page 203. Guerrero Iraola parle du cabaret Loulou.
Il reste vague, car tout le monde sait que c'est un bouge où l'on pratique la traite d'êtres humains. D'êtres humains. À ce petit détail près que, après avoir payé pour un service sexuel, on peut aussi payer pour manger la femme avec laquelle on vient de coucher. La somme s'élève à plusieurs millions, mais l'option existe, bien que ce soit illégal. Tout le monde trempe là-dedans, hommes politiques, policiers, juges. Chacun prélève son pourcentage car le trafic d'êtres humains est passé de la troisième place des commerces les plus rentables à la première. Peu de femmes sont mangées, mais cela arrive de temps en temps, comme c'est le cas dans l'anecdote de Guerrero Iraola, qui a, semble-t-il, payé des billions and billions pour une blonde absolument canon avec laquelle il a pris son pied comme jamais. Et après, bien sûr, il fallait aller plus loin. Les chasseurs éclatent de rire et trinquent pour célébrer le cran de Guerrero Iraola. « Et alors, c'était comment ?» lui demande l'un des plus jeunes chasseurs. Guerrero Iraola se contente de poser les doigts sur ses lèvres pour signifier que c'était un délice. Personne ne peut admettre en public avoir mangé à un individu avec un nom et un prénom. Sauf dans le cas de ce musicien ayant officiellement donné son accord. Mais Guerrero Iraola l'insinue pour montrer qu'il en a les moyens. Et c'est pour cela qu'il l'a invité à sa table pour le lui balancer au visage. Lui, il entend l'un des chasseurs assis tout près de lui murmurer à son voisin que la blonde canon était en réalité une petite pucelle de 14 ans à déflorer. Et que Guerrero Iraola l'a bourriné au lit, qu'il l'a violé pendant des heures. Le chasseur prétend qu'il était là et que la gamine était à moitié morte quand elle avait été emmenée pour être abattu. Et donc là, en fait, moi je pense que c'est un passage qui est très important parce que il dit finalement quelque chose d'absolument essentiel sur le plaisir de la cruauté et sur quelque chose de l'ordre de la fausse transgression. C'est-à-dire que là, finalement, la transgression repose sur le fait de dire ce que personne ne dit, mais alors absolument pas pour défendre qui que ce soit, mais pour s'en revendiquer. C'est 100% sad. C'est pas le sadisme, il y a aussi du sadisme, mais c'est sad. C'est la volonté complète de exposer hein, dans les bouquins de Sade, qui est d'une certaine façon d'être plus républicain que les républicains, de dérouler jusqu'au bout le principe de la liberté individuelle sans bien sûr tenir compte de la liberté d'autrui. Parce que ça, c'est quand même un peu le principe global, hein, la liberté d'autrui dans cette histoire n'existe pas. Hein. On ne va pas non plus se raconter de conneries là. Et en fait, c'est même le fait que cette liberté n'existe pas et qu'elle repose sur une aliénation, c'est-à-dire une possession ou une dépossession complète de l'autre par celui qui est dans la jouissance, hein, qui va aussi constituer la jouissance qui est la possession de l'autre. Et en fait, finalement, ici, le cannibalisme, il permet de dire quelque chose de cet ordre-là. Je pense que d'un point de vue psychanalytique, on n'aura aucun mal à relier cette jouissance gustative et érotique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ici de montrer comment finalement les uns et les autres sont des versants, sont des avers et des revers d'une même pièce. Et ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel à comprendre et à voir, de vraiment très important. À ce niveau-là, on peut considérer que Kadavreksky est quand même une traduction ou une... On a eu une petite coupure. Problème de carte SD, c'est tout. Hein. C'est finalement la traduction ou la réalisation en littérature des théories féministes matérialistes. Mais pas uniquement en leur donnant une nouvelle extension avec cette prise en compte de l'animalité. On est complètement dans la lignée, par exemple, des travaux de Kaoutar Archi. J'étais au lancement hier de Littérature et Révolution. Ça a l'air d'être passionnant. Il me tarde de lire tout cela et de vous en parler. Et peut-être avec Kaoutar, on verra. Mais en tout cas, il y a cela qui se passe, finalement, de ce que cela montre. Elle disait hier, ça m'a beaucoup marqué, qu'en fait, on animalise les animaux. Le rapport que l'on a aux animaux, il est évidemment construit. Et il est le fruit d'un processus. Et c'est exactement cela que représente Kadavreksky, hein, ce roman. Et en fait, il montre par ce changement global de il n'y a plus d'animaux, en plus on les massacre, hein, donc c'est vraiment affreux, il y a un complot derrière, et à la place on va manger des humains, mais ces humains, en fait, il ne dit pas que c'est un montant de prostitution, mais
En fait, il y a de nouvelles transgressions et le plaisir reste toujours de les transgresser. Et ça, c'est une part des choses que l'on peut faire, dans l'ordre, qui sont de l'ordre de la dégradation et de la destruction. Il y a la consommation, notamment par la viande, et une consommation qui peut se parer de raffinement, etc. Là, je vous renvoie au personnage de la sœur. Alors, sur la sœur, je trouve quand même que le roman est globalement misogyne. Et ça, pour moi, c'est quand même une sacrée nuance, malgré ce que je suis en train de dire. Hein. C'est-à-dire, en fait, quand je parle de féminisme matérialiste, je parle des rapports hein, sociaux qui sont mis en place dans le roman. Mais vraiment, je regrette qu'il n'y ait quand même pas d'autres personnages de femmes qui soient un peu positifs, par exemple, et que tous les personnages positifs soient tous des hommes. Enfin, voilà. C'est quand même un peu dommage, quoi. Bon, voilà. Mais c'est pas inintéressant qu'il y ait un frère et une sœur, et ça aurait peut-être été plus compliqué d'imaginer une femme dans cette position d'abattoir, etc. Bon, alors cette partie-là, elle n'est pas spécialement problématisée en tant que telle, mais en tout cas, on peut voilà, en tirer quelque chose. Et là, on va vraiment divulgâcher complètement la fin. Hein. Donc vous coupez, hein, si vous vouliez un peu de spoiler, mais pas trop, c'est maintenant qu'il faut recouper. Où, en fait, Jasmine est enceinte. On va avoir cette grossesse. Et au moment où elle accouche, Marcos rappelle son épouse. Et en fait, la fin est absolument terrifiante. Parce que, et là, ça, c'est une vraie réussite pour le bouquin, et je ne l'avais vraiment pas senti venir, tout ce qui avait l'air d'être une forme d'idylle avec la jeune femme, finalement, eh bien, s'interrompt brusquement. Parce que ce qui comptait, ce n'était pas la jeune femme, c'était le bébé. Pour l'autre femme. Et donc là, finalement, on voit bien une autre forme d'exploitation du corps, qui est pas le plaisir sexuel, qui n'est pas la consommation de viande. On n'a pas exactement l'exploitation par le travail ici, mais bon, ça on peut l'avoir d'autres façons. Mais là, on l'a vraiment par, en tout cas, ce qui est de l'ordre du travail de la reproduction la plus littérale avec la grossesse, quoi. La grossesse, l'accouchement, et donc, en fait. Voilà, Jasmin n'a jamais. On peut avoir l'impression que Jasmin est plus ou moins sorti de l'humanité, ou en tout cas de sa fausse animalité, pour être ramené du côté de Marcos, et que Marcos, c'est un mec sympa, et en fait, non. Et d'une certaine manière, s'il doit y avoir une leçon à ce bouquin, c'est ça. Que ce rapport aux choses et aux êtres, il ne peut pas faire d'aucun personnage un personnage finalement positif. Peut-être que c'est ça d'ailleurs, que finalement les seuls vrais personnages positifs, ce sont des gens qui meurent et qui appartiennent à un monde ancien, mais que dans un pareil monde, on ne peut pas être finalement innocent. Et en ce sens-là, le roman porte peut-être quelque chose de plus fort que déjà ce qu'il expose dès le premier chapitre et qui me semble vraiment intéressant par un hypercute final qui vaut vraiment le coup. Et vous ayant dit cela, je vous dis à bientôt.